Salut à tous, Ranger Galactique, c'est Cool Zero. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Let's Play sur ma chaîne avec nos deux compères que sont Ratchet et Clank. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, on va se diriger tout de suite vers le prochain niveau, à savoir Battalia. Quelle est notre destination ? L'ordinateur de navigation indique qu'un message très important a été laissé pour nous sur Battalia. Alors sans plus attendre, nous nous rendons vers Battalia. Je profite de ce petit chargement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais également à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce let's play. Oulala, on va y aller à fond. Allez. De ce côté-là, ça m'a l'air bon. Oula. Bah alors. Qu'est-ce qui s'est bien passé par ici? Normalement, hop. Ah oui, ok. Je comprends mieux. Voilà, c'est ça que moi j'attendais. Alors, ennemi détecté. On va donc utiliser quelle arme? On va déjà utiliser le grand ravageur. Boum. Oula, en plus j'ai un ennemi qui m'arrive juste dessus. Ça tombe bien. Boum. Boum. Alors. Ça chauffe là. Monsieur Zurkon. Allez hop, on va utiliser pour ceci Pixelisator. Ici le président Drake. Un message de la portion des chefs envoyés. Si vous ne parvenez pas à détruire la tour de Galactica, vous serez tous renvoyés de Drake Industries sur le champ. Allez. Il faut absolument traverser ce pont. On y va, on va aller voir en haut ce qui se passe parce qu'on a laissé une petite zone tout en haut là. Allez, ça commence par là, bim. Dans ce petit bunker là, il y a de quoi récupérer. Je détecte le signal d'un inforobot dans le secteur. Peut-être que nous devrions le suivre. Hop. Allez hop. C'est parti. Emprunte le rail. Ok. Ça marche. On y va à fond là. C'est parti. Ok. Donc il faut jumper de l'autre côté. Hop, c'est fait. Petit jump. Double jump. Encore un petit jump. Et encore un. Et on est bien là. On va continuer tout droit pour voir ce qui se passe. Ok, youhou! Yes! Une petite holocarte. Cool. Alors. Hop. Ah mince! J'avais pas vu qu'il y avait un petit trou. Allez, c'est pas grave, on y retourne. Yes. We got it. Donc on était devenu de toute façon au début. Ok, donc cette fois-ci on sait qu'on va changer de monorail. Yes. Attention, c'est parti, hop. Encore un petit hop, c'est quoi donc par ici, hop. Ok, donc là ça tourne en rond. C'est bon, hop. Et hop, on change de rail. Allez, bim. Hop, petit jump. Oh là, ça s'enchaîne. Chaud. Toute vitesse. Oula, le triple jump. Triple jumps. Ratchet, les Blargs approchent de la tour de garde. On a vraiment besoin de toi sur ce coup.
plus très loin, Cora. Essaie de les retenir encore un peu. Ça nous emmène où, ça? Ok, c'est juste une petite boucle. Ça marche. Ok, c'est cool. Yes, very good. Yes. Double jumps. Oh, ces vaisseaux qui passent partout, tout ce qui se passe autour là de nous, c'est énorme. Hop. Hop. Yes, tranquille, ça se fait. Bon, on oubliera les deux fois où j'ai perdu, hein. Youhou! Oh yeah, baby! Un faux robot. Salut Ratchet, c'est Grim. J'ai suivi tes aventures et je suis très content pour toi. Écoute, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai un frère sur Pokitaru. Il s'appelle Felton. On se parle pas souvent parce que c'est un peu un gros fainéant. Mais il m'a envoyé un appel de détresse ce matin. Il disait que Drake était en train d'attaquer Pokitaru avec ses moissonneurs hydrauliques. Les Blarks doivent préparer quelque chose. Ah, cool. J'ai appelé les Rangers, mais le capitaine Quark m'a dit de m'adresser à son agent. Bref, tu pourrais pas faire un petit crochet et voir comment il va. Merci, petit. Je suis fier de toi. Le... Yes, on a fait tout le tour du monorail. Si c'est trop cool. Ratchet, Cora a besoin de notre aide. Nous devons aller en ville pour aider les Rangers à protéger la tour de garde. Yes, on y va de ce pas. Monsieur Zurkon. Monsieur Zurkon est là pour détruire. Ouais, et Monsieur Zurkon va m'aider. Monsieur Zurkon est arrivé. Yes, mais les Zurkons, on t'aime beaucoup. Avec option violence. C'est pas bien ça, mini sur con. Salut. La pétarade. Oh oh oh. Il y a un petit truc là. Un boulon là et un truc là. Ah, il faudrait qu'on trouve comment on accède. Bon, ça l'explosion. Alors, on va ouvrir avec le crocheteur. Et alors. Toi, tu vas me gêner. Je le sens. Alors. Ça a l'air plutôt ça. Bim! Sésame, ouvre-toi. Hop. Oh, cool! Une petite truc. Boum! Regardez-moi ça un peu. Plein de boulons, plein de boulons. J'adore les boulons. Alors, par où, comment je vais faire pour monter là? Comme c'est bizarre. Il semble rester pourtant quelque chose là. Monsieur Zurkon s'ennuie. Oui, Monsieur Zurkon. Je vais te donner de la chair fraîche. Oula. Monsieur Zurkon. Ah, ok. Tout bête. Yeah. Oh yeah. Boulon doré. C'est pas cool zéro. Attention. Nos deux héros sont dans la place. Nos deux héros sont dans la place to be. Yes. The place to be. Allure. Yeah. On monte en haut grâce à ça. Top cool. Ok, je pourrais aussi passer par là. C'est une option intéressante. J'ai même pas vu. Mais oui, monsieur Zurkon, c'est important. Bim.
Allez hop. Ils sont encore en vie. Est-ce que je dois faire un exemple? Bah c'est sûr quoi. Pour que vous compreniez la gravité de la situation. Ne me décevez pas. Bim. Allez hop, Monsieur Zircon. Yeah, Monsieur Zircon est dans la place. Monsieur Zircon ne rigole pas. C'est la grosse mitraille. Allez hop. Il va un max. Méga boulon. Yes. Crancon boulot. C'est parti. Déploiement du pont. Bien joué. Allez, la tour de garde est par là. You got it. Yes, we can. Monsieur Zircon n'est pas content. Oula. Hop, allez, encore un petit Monsieur Zircon. Allez, Monsieur Zircon. Ah! Il va me rouler dessus! Boum! Joli tir! Je parie que tu n'avais jamais fait ça sur Veldin! Veldin! Allez, les gars! En avant, tout! Petite zone ici, là, sympathique! Allez, hop! Normalement, je crois que par ici, il y a un petit boulon qui est caché, normalement. Et voilà. Allez, hop. Petit Monsieur Zircon. Youhou ! C'est parti. Amélioration niveau 10. Trop cool. Hop, Monsieur Zircon. C'est parti et on va y aller. Ok. Salut, Monsieur Zircon. Ok. Allez, bim. Explosion dans tous les sens. Qui m'attaque ? Eh ben, c'est pas encore fait tout ça. Du cours de cuisine, allez donc.
Allez, on emprunte le super pont. Oh, un petit gadgetron. C'est parti. Alors... qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Bon. Par contre, j'ai un petit peu de... chose que je peux faire, là. Est-ce que j'en ai un que j'avais déjà commencé? Yes, celui-ci. Mini Zircon. Alors, regardons ça tout de suite, sans perdre de temps. Ok. Boum! Mini Zircon est à fond. Allez, je crois qu'il va être l'heure de commencer le gant ravageur. Boum. Zone d'effet augmentée. Ces tourelles laser ne vont pas nous faciliter la tâche. Va falloir trouver un autre moyen de rentrer. Allez, passe devant, je te couvre. Ça rigole carrément pas là. Ok. On va regarder ça tout de suite. Là. Elle me tire dessus. Ok. Alors, on va utiliser passage secret. Oula. C'est chaud là. Oula. Je suis mort. Il semblerait que j'ai eu du mal à sauter comme il fallait. Alors. Yes. Il a dit qu'il avait un problème urgent de Ranger Galactique à régler. Allez, on fonce. Bon, imagine que c'est à nous de jouer alors. Hop. Ok, c'est bon ça. Oula, on va peut-être attendre un petit peu. Allez, top, c'est parti. On est rentré dans le fort de Grontos. Désactive les fusions tourelles du périmètre de... Ah. Ah oui, gant ravageur, ok. Lui, il est Zircon. Parti. Allez, c'est parti, ça envoie. Mais les Zircon. Et voilà. Là, c'est quoi ça? Ah non, ce n'est qu'une canalisation. Allez hop, mini Zircon, on y go. Ratchet, tu m'entends? Allez. Je dois absolument entrer. Cherche un grand coboulon. Yes. Je cherche le grand grand cramboulon. Grand cramboulon par ici, grand cramboulon par là. C'est parti. Et voilà.
on est à fond. J'ai attendu ça toute ma vie. Attention, ça rigole pas. C'est pas vrai, deux tanks. Oh non. Allez, on y va. Hop, un petit grand ravageur pendant qu'on y est. Un petit misnurcon aussi. Et un chevrator pour enchaîner. Bim. Waouh. Ok. Comme on est à sec, c'est le moment de sortir Minizurko. Wouah. Boum. Allons au canon défensif de la tour de garde. Ça y est, on a réussi. Hourra. Qu'avons-nous par là? Hey. Ok, je rate pas ici. Ah, il manque juste une zone où on a oublié un petit peu de raritanium là-bas. De l'autre côté aussi. Okay. Alors. Tu as plein de raritanium ? Viens me voir pour acheter une amélioration. Du raritanium. Par là. Ok, il est en haut, c'est bon, je l'ai vu. Oula. Bim. OK. Allez, c'est bon, là on est bien. Vite, on doit ouvrir cette porte. Ah. J'ai oublié l'autre côté où il y avait pas mal de caisses, je vais y retourner. Oh. Là y'a rien, là y'a rien, on peut y aller. On va donc faire le tour. On est au canon défensif, mais on dirait que le système est verrouillé. On doit absolument activer ce truc, et vite! Ouais. Le crocheteur pourrait peut-être nous aider. Allez Evelyn, where is the crocheteur? C'est parti.
Élire. Ok. Ça va pas là. Ça m'a l'air comme ça. Et voilà. Il suffit juste d'annuler. Il va être l'heure. Yes. C'est parti. On entre dans la tourelle. Attention, ça va pétarder fort. On va détruire ces vaisseaux de guerre l'un après l'autre. Dès que le canon est chargé, tire. Ok, ça marche. Allez, on y est presque. Boum, tout c'est bon. Le canon ionique de la tour de garde à 75%. Le canon est prêt. Tire ! Ces coques sont trop épaisses pour les munitions classiques. On doit utiliser une charge ionique. Ah, je l'ai eu, Claude ! Est-ce que t'as vu ça ? Non. Mais félicitations. Missile en approche détectée. Oula. Oula. Zeus nous balançait des missiles pour nous ralentir. Canon ionique de la tour de garde à 75%. Canon ionique de la tour de garde armé. Impact confirmé. Impact confirmé. Oula, mais on nous envoie des... se laisser faire comme ça. Canon ionique de la tour de garde à 25%. Boum. Tu l'as eu. Bien joué. Alors. Canon ionique de la tour de le canon est prêt. Tire. Yes. Et voilà. Canon ionique, il s'enfuit. On l'a réussi. Drake, voilà ce qu'il en coûte de s'en prendre au Ranger Galactique. Ouais. Wouhou. Youhou. Retourner au vaisseau. T'as réussi, petit. Il semblerait que le reste de la flotte de Drake se replie. Et Laris, tu confirmes? C'est confirmé, Brax. Les autres vaisseaux de guerre retournent vers Quartu. Vous avez été fantastiques, les gars. C'est vrai, désolé de ne pas avoir été là aujourd'hui, mais j'étais avec vous en pensée, vous savez. Regroupons-nous et suivons ces blargues jusqu'à Quartu. Merci, capitaine. On se voit tout à l'heure. On est tiré d'affaire, on dirait. Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, Ratchet.
Toi aussi, Clank. Je vous reverrai tous les deux sur Quarto. Yeah. Allez. Bien que tu peux améliorer ton grand ravageur, hein. C'est clair. Alors, on va améliorer un peu ça. Voilà. Gant de l'apocalypse. Je peux te faire un prix sur celui-là. Boum. Douille compacte. La nanofabrication permet d'ajouter un agent ravageur dans chaque grenade. Matrice de conditionnement. Une matrice de conditionnement tétraédrique permet d'ajouter un agent ravageur dans chaque grenade. Ok, super cool. Bim! Roquette longue portée. Des propulseurs améliorés permettent aux agents ravageurs de fondre sur leur cible encore plus loin. Cool. Délire. J'aurais bien fait ça, mais c'est pas le top de l'arme. On va donc attendre encore un peu. Yeah. Yeah. On va regarder si on a rien oublié, mais je crois qu'on est tout complet. Super. Eh bien écoutez, Ranger Galactique, j'espère que ce let's play vous aura plu sur cette nouvelle planète. Moi je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire juste en dessous de celle-ci. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec nos deux amis, que sont Ratchet et Clank. Tchuss.